Bonjour à tous, c'est une vidéo que je fais vraiment, je pensais pas en faire. Donc j'en profite pour inaugurer mon nouveau micro, voilà, que j'ai acheté pour le Noël. Je me suis offert. Moi, je suis pas un enfant, donc je me fais des cadeaux tout seul. Donc voilà, c'est un Rocat Torch qui est super sympa, très beau et vraiment fonctionnel. Il m'a l'air de bien fonctionner là tout de suite maintenant. Donc on va faire l'essai, on va voir ce que ça donne. Alors, je fais cette vidéo parce que je viens de recevoir un petit colis avec un jour d'avance, enfin, par rapport à ce qui était marqué sur le site de la poste japonaise. Et voilà, donc c'est ça, j'ai reçu ça, voilà. Non, c'est plutôt l'inverse puisque là, je suis en inversé avec la caméra. Donc voilà, je l'ai un peu ouvert, mais je me suis dit, tiens, je vais faire comment on dit, un unboxing pour montrer un peu tout ça. Et pour remercier la personne qui me l'a envoyé, même si j'ai quand même donné un peu de ma poche, mais je suis très content de l'avoir. Donc, on va l'ouvrir. Donc, je vais. Vous n'allez pas pouvoir voir comment je l'ouvre, mais bon, enfin, c'est déjà ouvert, j'ai utilisé le cutter en faisant attention. J'ai fait très attention en ouvrant. Donc, voilà. Alors, on entend le carton qui bouge. Alors, c'est le bordel, mais c'est pas grave. Et donc, voilà la bête. Voilà. Voilà, je mets ça devant la cam. Space Kitten, la BD, bien emballée, bullée. Je sens que je vais m'amuser à retirer en retirant le bulle. Mon ami, tu les as bien emballés. Hein, moi, voilà, je suis en train de faire attention hein, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, j'ai envie de me le lire tranquillement ce soir. Voilà. Alors, vous avez vu Space Kitten, volume 1. En attendant le volume 2. Voilà, c'est vraiment très belle couverture, très belle finition. Bah après, voilà, je découvre la dédicace qu'il m'a faite pour Simon, une petite jean pour t'amener dans la Space Kitten Sphere, pardon. Jean-Mathieu, c'est génial. Et avec le petit logo. Super. Donc il a fait un. C'est vraiment génial. Voilà, j'adore. J'adore et je t'adore. T'es un gars génial et t'es un dessinateur de génie. J'en connais des dessinateurs. Quelques-uns. C'est vraiment génial. Voilà. Donc on va continuer, on va faire la suite. Hein. On va pas s'arrêter là, sinon c'est bien. J'ai pas envie de la bien, il faut que je fasse attention là où je le pose. Donc voilà, on va le poser là. Et ah, alors ça, c'est. Certainement les bonus par rapport à ce que j'ai payé. Oh putain, c'est quand on reçoit un cadeau à Noël, c'est mon deuxième cadeau, mais ça c'est voilà. Donc un petit badge, voilà, un petit badge, voilà. C'est pas, voilà. On voit pas avec le zoom qui se fait pas. Donc voilà, le petit badge. Je sais pas où je vais le mettre ce petit badge. Il va falloir que je réfléchisse. Un petit peu embêtant parce que je sais pas du tout. Voilà. Alors là, ça c'est de la balle. La carte privilège. Voilà, membre des Space Kitten. Voilà, j'ai intérêt à la mettre dans mon larfeuille hein, parce que il hein, faudra que je l'amène en France hein, quand je viendrai en France, à Japan et tout ça. Je vais en profiter un max tous les jours. Bon, c'est pas tous les jours, je vais pas t'embêter tout le temps quand même, il y a autre chose à faire. Alors, un marque-page, je suppose, voilà, un beau marque-page, magnifique. Alors, avec la caméra, avec l'image, il faut faire un... voilà, donc ça rentre pas dans le cadre, voilà, si je le mets comme ça, là, les gars, voilà. C'est super sympa, franchement, waouh, c'est super. Ah là là. Une carte postale. Je ne l'enverrai pas, hein, la carte postale. Je vais me la garder aussi, tiens. J'ai envie de me faire un petit décor derrière, mettre des petites étagères, un peu changer tout ça. Je pense que ça va... Je sais pas. Je vais trouver un truc hein, sympa pour l'année prochaine. J'ai envie de remettre ça à 30 kilos, un petit peu réaménager pour le plaisir et puis surtout pour donner un petit peu de jeûne et puis voilà, que ce soit plus sympa. Voilà, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est une sorte de shitajiki. Un peu l'idée, ouais, c'est un peu des deux côtés en cartonné, mais voilà, c'est sympa, voilà. Waouh! Franchement, c'est de la balle. Et c'est la mienne? J'ai combien de badges là-dedans, moi? J'ai deux badges pareils.
Voilà. Il m'en a mis pour les gamins aussi. Tu m'en as mis pour les gamins? Ah bah c'est gentil. Mais bon, waouh. Je pense que je vais en faire profiter les gamins. Voilà, je te remercie. Alors là, on va voir la suite, hein, parce que bon. La suite. Oh la vache. Les illustrations sont magnifiques. Les illustrations sont magnifiques. Donc voilà. Franchement, c'est de la balle. Je suis excité comme une puce. Donc voilà. Oh là ouais. Alors le truc c'est que là, l'idée c'est est-ce que je le regarde comme ça ou est-ce que je le regarde comme ça? Je te pose la question, franchement. Ou alors faut que je la mette de l'autre comme ça? Voilà, qu'est-ce qu'on pense comme ça? Non, j'en sais rien. Voilà, on verra bien. On verra bien. Ah la vache. Il y en a un paquet là. Tu m'as fait un truc d'enfer. Allez, celle-là aussi est sympatoche. Elle est super. Franchement, waouh. Ah, celle-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ouais, bah bon, après, on va dire que je suis. Hein, voilà. Et c'est pas du tout ce que vous croyez. On va continuer. C'est quoi? C'est la dernière, celle-là? La dernière? Ils vont être derrière. Hein. Je te garantis qu'ils vont être derrière quand je vais en mettre tout ça en état. J'ai vraiment envie de me faire un petit truc sympa en plus. Là, putain. Je dis des gros mots, c'est heureusement que je suis pas sur Twitch. Hein. Ouais. J'en ai. Voilà. Je vais peut-être pas tout vous montrer, je vais peut-être m'en garder pour le plaisir. Hein. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vache. Hein. Donc voilà, mais bon. Ah, il y en a qui passeraient pas à la télé, à mon avis, enfin, qui passeraient pas sur YouTube, là. Ça va être censuré si je mets ça. Allez, et juste pour les... Hop, voilà, c'est fait. Ah là, ben, c'est magnifique ce que tu as, ce qui est là. Voilà. Bah bon, tout ça pour dire qu'il y a vraiment, vraiment des beaux trucs dessus. Je vais essayer de vous faire une sorte de... Comme il y en a beaucoup sur ce pack, c'est pas facile. Alors, hop, ah ouais, hop, et je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Je vais pas trop les bouger. Et franchement, alors, là, je suis. Merci Père Noël. Je te revaudrai ça. Je sais pas comment, mais je t'en vaudrais ça. Voilà, je crois que j'ai tout montré. C'était magnifique. Je vais tout remettre tranquillement dedans. Je vais prendre les bâches que j'ai. Bah, je pense pas que mon plus grand va vouloir, parce que lui, il est assez space. Enfin, il est ado, donc tout ce qui vient de papa, ça vaut rien. Et puis, bon... On sait toujours se frotter autre chose. Comme chien et chat. Je trouve qu'elle était bonne sur ce coup-là. Donc voilà, c'est génial ce que j'ai eu. Donc attendez, je vais attendez, donner les enfants. Attendez. Je vais vous remontrer les deux petits paquets que j'ai reçus. Donc voilà, Space Kitten. Alors, c'est Jean-Mathias Xavier que je suis en, voilà, qui fait ça. Voilà, faut que je mette bien là. Donc, moi, si vous ne l'avez pas acheté pendant le crowdfunding, achetez-le maintenant. Je mettrai le lien en dessous de la description. Et puis moi, je vais tranquillement me les regarder. C'est assez amusant parce qu'avec mon... Alors, c'est pas très intelligent, mais bon, voilà, avec mon petit truc. Voilà, pour ceux qui disent du japonais, ils comprendront ce que ça veut dire. Ils vont s'amuser. Voilà, donc voilà. C'était le petit cadeau de Noël et je suis très 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 content. Voilà. En plus des cadeaux de Noël que je me suis fait du micro et le reste que je dirai pas parce que ça n'intéressera personne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année. J'avais déjà fait sur le message précédent, mais c'était un petit peu différent. Là, c'était vraiment, je pensais pas en faire une. Donc, comme ils disent en japonais, Yoretoshiro. Voilà, c'est ce qu'ils disent en japonais pour bonne fête de fin d'année, avant l'année, avant la bonne année. À bientôt pour de nouvelles aventures et portez-vous bien. Ciao, ciao.